Les États-Unis et la Russie ont annoncé tôt samedi un accord décisif sur la Syrie qui prévoit un cessez-le-feu dans le pays à partir de la semaine prochaine. Il sera suivi par un peu probable nouveau partenariat militaire entre les gouvernements rivaux ciblant le groupe État islamique et Al-Qaïda. Lors d'une conférence de presse après une journée marathon de négociations, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que le plan pouvait réduire les violences en Syrie et mener à la transition politique longtemps souhaitée, mettant ainsi fin à 5 années d'effusion de sang. Le cessez-le-feu commencera lundi et au coucher du soleil, selon Kerry, et il coïncidera avec la fête de Laïc Talata. Le partenaire de négociation de Kerry, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a confirmé l'accord et indiqué qu'il pourrait aider à renforcer le combat contre le terrorisme et les livraisons d'aide aux civils. Il a ajouté que le président syrien Bachar el-Assad était prêt à se conformer à l'accord.